faut savoir si c'est la tôle ou si c'est encore un morceau d'obus. On voit qu'il y a eu pas mal d'impact. Ça devait être des projectiles de gros calibre, type crapouillot. Ça pourrait être une poignée ou je pense qu'ici il devait y avoir comme une cloche d'observation métallique. Oui. De la matière qui est dangereuse. On a encore le dispositif d'allumage qui est complet. Alors, est-ce qu'il peut encore fonctionner dans l'état normal? Je dirais non. Donc là, je me suis mis en tout métaux. Vous pouvez entendre. Quand ça sonne, c'est qu'il y a un morceau de fer en dessous. Comme vous pouvez voir, ça sonne partout. Non, c'est la partie d'un crapouillon, mais c'était la partie vraiment au sommet. Normalement, c'est bombé, et là, avec l'explosion, c'est parti. Une cartouche française. Je la récupère, parce que je vais essayer de regarder les marquages, où c'était fabriqué, la date. Je vide la poudre. Il n'y a que le petit morceau de bois.